Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne RC Garage 75 pour de nouvelles aventures. Donc, nouvelle sortie de jump, petite sortie, hein, car je vous ai fait une vidéo avec mes 10 sessions jump endurance de ce max avec la cellule Vitavon. Vous l'avez vu. Par contre, toutes les vidéos, vous ne les avez pas encore vues, ça va jusqu'au mois 1er décembre, voilà. Là, on est le dimanche 21 août, 7h55, il fait bien jour, il va faire beau, par contre là, ça y est, il commence à cailler. Et donc là, je reviens sur ce max, hein. Si lui, il n'y a pas eu de souci avec la cellule Vitavon et pas plus de casque qu'autre chose, mes protections là dans du bidon plastique, j'en avais parlé, et ici je sais pas si on va voir, il est cassé où il y a mon doigt là, ici l'oreille, le support de triangle supérieur est cassé, donc j'ai roulé avec, j'ai amené mon X-Max, et le souci c'est surtout, et ben là j'ai encore 3 autres lipos qui m'ont claqué dans les pattes. J'ai quasiment plus de 4S. Voilà, tout simplement, c'est pour ça que j'ai pris mon X-Max. Il y avait longtemps que je ne l'avais pas pris. Voilà. Voilà. Un 19, une cellule. Les autres, ok. Voilà. Donc celle-là, HS. Voilà, celle-là, pareil, hein, vous l'avez vu, un volt 14, voilà, deuxième HS, la troisième, même punition, 0,88, voilà, les autres cellules, ok. Déséquilibré, mais ok, voilà, donc là, ces 3 lipos là, elles sont rectifiées, et j'en ai une quatrième là, qui est en train de lâcher, plus celles d'avant qui m'ont lâché, en fait sur 10 lipos, aujourd'hui j'ai plus que 3 lipos 4S, tout simplement, voilà, donc si le max dans les jumps à répétition, il n'y a pas de souci, comme vous avez pu le voir, bon, des petits soucis, mais pas grand-chose. Le problème, ce qui prend très cher, eh ben, c'est les lipos. Les lipos, elles sont rectifiées. Voilà, tout simplement. Genas 5000. Hein. Et là, j'en ai qui ont démarré, que j'ai eu début juillet, avant que je fasse... que je lance mon truc, mon premier jump session endurance que j'avais récupéré, elles avaient qu'un pack ou deux, je sais plus, c'était les 60C, hein, puisque ceux-là c'est des 50C, donc là j'ai démarré avec des 60C, et ben elles sont en train de me claquer dans les pattes aussi, et celles-là elles vont avoir que 10 sessions. Puisque à chaque fois, quand je me fais une session, c'est une lipo. Voilà, bon, les 3 là qui sont HS, elles sont pas très vieilles non plus. Mais dans les jumps à répétition, comme j'ai fait plus de 5000 jumps sur mes 10 sessions. Donc, une lipo environ, je fais une centaine de jumps, comme vous l'avez vu. Des fois, il y en a des grands, des petits. Il y a des chocs. Donc, on va tabler. Je fais entre 100 et 140 jumps pour une lipo. Donc, on va tabler sur 120. 120 sauts. Et puis, les sauts, ben, je ne les compte pas spécialement. Donc, on va dire pour une lipo. 4S sur les 10 sessions,
Wow. Ça fait 1200 sauts pour une lipo. Voilà. Tout simplement. Et pourtant, hein, je vous le... Ah merde. Hein, j'ai fait des sauts aussi haut que la branche, là. Hein. Dans mes il y a longtemps, dans mes vidéos avec ce max-là, des jumps, j'ai fait des très gros sauts. Hein. Mais j'en faisais pas comme j'ai fait à l'heure actuelle, emmener du jump endurance. C'est-à-dire que bah, j'emmène des pièces avec moi, de l'outillage. Si je pète un triangle, il faut que je puisse le remplacer. Vous avez vu les différentes casses. Non, vous ne les avez pas encore vues, puisque cette vidéo-là va sortir. Va sortir dans pas très longtemps. On va dire que c'est la suite de la vidéo que j'avais fait sur le retour de ma cellule Vitavon. Oh là là, ah, ma lipo s'est arrachée. Et là, la lipo que j'ai mis dedans, elle est à moitié cuite aussi, je le sens de toute manière, elle n'a pas de patate. Voilà. Et pourquoi je tourne? Ah, le bac lipo. Ah ben il s'est ouvert ce con. D'ailleurs, je l'ai marqué dessus, HS, parce que ben lorsque je la charge, et ben c'est mort, quoi. Tout simplement, quand je commence à mettre 4 heures pour recharger une lipo, autant dire que c'est pas bon du tout. Une lipo, il faut 1 heure en temps normal. Hein. À peu de choses près, c'est 1 heure, quoi. Voilà. C'est foutu. Donc, là, on va se calmer parce que moi, depuis le début de l'année, j'ai démarré avec en tout 10 lipos Genas 5000. Et là, j'en ai plus que, on va dire, une qui est pas trop mal. Et c'est une 50C. Donc, comme quoi, ça veut quoi? Si, c'est, je vais pas dire ça veut rien dire puisque. J'avais pas mal jumpé aussi avec. Mais j'en ai 2 autres, les 60C, qui sont en train de me lâcher. En fait, elles commencent à se déséquilibrer. Et puis à la fin, bah, c'est une cellule qui claque. Comme là, comme je vous ai montré. Hein. Là, je les ai pris avec moi, c'était pour vous montrer. Mais j'en ai d'autres, c'est exactement le même souci. Voilà, donc. Jump, wow. Jump. Avec le max, aucun problème. Par contre, lipo, pas good. Pas good du tout. Ça tue les lipos. Ou alors, il faut jumper. Bah là, comme je vais faire, je vais ralentir.